Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Skyrim, donc on est dans le cœur de l'âme, Venez, et on va je vais sortir, et parler entre. on a récupéré le parchemin des anciens, hein, donc le sang il me semble, bon, oui le sang, et on va devoir trouver un moyen de le lire simplement, donc on va retourner à la guerre de l'aube, où justement il y a le prêtre de la Phalène, qui va pouvoir en le lire, quoi. Alors on va prendre, pensez bien à sortir par le... Enfin, je vais vous montrer, vous avez un petit balcon, pensez bien sortir pour le découvrir. Oui. Bon, il n'y a rien d'autre à dire. Donc sortez par ici, comme ça vous découvrirez le balcon tout simplement. Donc en découvrant ce balcon du château, vous aurez la possibilité de revenir par après dans le cairn de l'âme plus rapidement que si vous deviez faire tout le tour, quoi. Donc, on va aller trouver le prêtre de la Phalène. Alors. Donc, où est-ce qu'il est par contre? Là, bah, c'est parfait, il dort. Alors, on va le réveiller. Ça va être un peu long, je suis Je désolé. suppose que votre voyage a été une réussite. Je suis désolé, mais je ne peux plus vous aider dans ce domaine. C'est ma faute. Pressé que j'étais de lire le premier parchemin, j'ai négligé la préparation minutieuse nécessaire. Je pensais être en mesure d'atténuer les séquelles, mais j'avais tort. Aujourd'hui, j'en paie le prix. Aveugle? Oui, j'en ai bien peur. Non, il va falloir que ça suive son cours. Il y a toujours une chance que je ne... Non, il y a un autre moyen. La question est, quel risque êtes-vous prêt à prendre pour trouver l'arc d'Auriel? Je ne vous garantis pas que ce soit sans danger pour vous. Devenir aveugle. Les clairières de l'ancêtre sont des lieux isolés, éparpillés dans tout Tamriel. Accomplissez le rituel de la phalène ancestrale dans la clairière, et vous devriez obtenir les réponses que vous cherchez. Il consiste à retirer soigneusement l'écorce d'un arbre du cantique. Lorsque vous aurez suffisamment de phalènes autour de vous, selon la tradition, un couteau à deux manches est nécessaire. Tous les prêtres de la phalène apprennent ce rituel. Mais peu ont... D'après ma vision, la clé de la prophétie est le parchemin des anciens prédisant que le sang des mortels sera versé pour défier les dieux. Donc, Bonne je sais pas si vous avez chance. lu, donc il va falloir J'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez. trouver le couteau et faire le truc, quoi.